Juliette, vous avez préparé un questionnaire spécial. Oui, on va tester votre rapport personnel à la décroissance. Ce sont des questions pas très malines et on attend des réponses pas très longues, s'il vous plaît. Sur l'échelle des champions de la décroissance, 0 étant Jeff Bezos, 10 étant Guillaume Meurice, regardez son pull, vous êtes à combien ? Ouf, 8,2. C'est pas mal, c'est bien. Joli chiffre, 8,2. Vous avez donc un slogan, ralentir ou périr, il vous faut absolument un hymne, j'en ai 3 à vous proposer. Celui-là, c'était Abba, ou alors celui-ci, Rihanna, ou alors celui-là. Bon allez, je prends Abba. Suède oblige. Ah oui, évidemment. Un petit plaisir bien décroissant, c'est de jouer aux jeux de société. Alors, pour vous faire plaisir, vous préférez faire un Monopoly avec Bruno Le Maire, faire un Docteur Maboule avec le professeur Raoult, ou faire une partie de risque avec Vladimir Poutine? Ah mais Monopoly avec Bruno, mais je gagnerai jamais, mais je veux bien essayer. Non, parce qu'ici, vous pouvez gagner au Monopoly, c'est une affaire de chance. Non mais il triche Bruno, souvent. Vous n'avez pas de preuves, Guillaume, arrêtez. La décroissance, en vrai, est-ce que c'est plus un truc de hippie, peace and love, ou de punk, No Future, ou est-ce que c'est de passer d'une émission quotidienne à une hebdomadaire? Difficile, un joli mix. Hippie punk. Hebdomadaire? Hippie punk hebdomadaire. Ça va être gracieux. Selon votre collègue Jean Covici, on devrait avoir droit à 4 voyages en avion par vie. Vous en faites quoi de ces voyages en avion, ces 4 voyages en avion? Vous allez où? Ah! Réfléchissez pas trop. Ah, mais moi j'aimerais bien aller au Costa Rica. Tiens. Ah ouais? Et ouais, c'est l'un des pays qu'on étudie beaucoup. Mm-hmm. Parce qu'il arrive à augmenter sa qualité de vie sans augmenter son empreinte écologique totale. Mm-hmm. Une sorte de mystère. Et il n'y a pas d'armée, c'est tout dans l'éducation. Donc ça serait quasiment un labo pour vous. Dernière question. Ouais. Quand vous ne faites rien, vous faites quoi? La sieste, beaucoup. Welcome to my world. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la conclusion de votre livre. La conclusion s'arrête sur « bon, je vous laisse, je vais faire la sieste ». Car c'est ralentir ou périr.